Funk back. Il existe à Trois-Rivières une légende concernant un pendu. Oui, 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 vous avez bien entendu, un pendu. Selon cette légende, qui d'ailleurs est assez importante, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler, mais est suffisamment importante pour avoir mérité un petit texte sur le site officiel de la ville de Trois-Rivières, donc tout de même, selon ce texte que vous allez voir à l'écran à l'instant, le pendu s'appelait Noël Plasowa, apparemment. L'action se serait passée à la fin du 18e siècle, donc vers 1790, et il aurait été pendu sur ce qui est maintenant un mur appartenant à l'église anglicane au centre-ville du Vieux-Trois-Rivières, donc sur la rue des Ursulines, et selon cette légende qu'on m'a déjà racontée parce que j'ai travaillé dans le secteur plusieurs années, ce mur-là serait possédé d'une certaine malédiction à l'effet que, bon, il s'effriterait constamment, donc malgré les réparations qu'on fait au travers des années. Parce que M. Plasowa, apparemment, aurait été un criminel innocent. Donc, tout ça, c'est du domaine de la légende. Et vous aurez compris que la légende, moi, j'en ai rien à foutre. Je veux pas me mettre à dos tous les amateurs de légendes, mais je me dis qu'il y en a suffisamment, il y a suffisamment de personnes qui s'occupent d'entretenir les légendes et les récits fictifs et tout ça, que, bon, moi, ma part, je m'en tiens aux faits. Et selon ce que je pense, on va parler aujourd'hui de la vraie histoire qui se cache derrière cette légende. Donc, selon moi, on faudrait changer un peu d'époque. Donc, ce n'est pas 1790, mais bien 1825 que le crime concernant ce fameux criminel amérindien serait survenu. Pas serait, mais est survenu. Là, on va parler des faits. Et l'amérindien en question s'appelait pas Noël Plasowa, mais bien Noël François. Il existe bien. On va voir d'ailleurs. Donc aujourd'hui, le dossier a deux particularités. Et de un, il a fait l'objet d'une légende qui fait parler encore aujourd'hui. Et de deux, on a accès au dossier judiciaire et je vais vous partager cela aujourd'hui. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Un dossier judiciaire du premier quart du 19e siècle. Mais d'abord, on va résumer un peu l'histoire qui se cache derrière cette légende-là. Donc, on a un lien, on a le nom qui ressemble beaucoup. Là, c'est sûr que l'époque ne correspond pas avec celle de la légende. Le nom de Noël François, bon, ressemble beaucoup.
Et il se disait aussi, bon, apparemment innocent, et c'était un autochtone. Par contre, on va voir que dans les descriptions, on n'a pas de preuves comme quoi qu'il a été pendu à ce mur-là, mais on en déduit qu'il aurait plutôt été pendu, qu'il a été le premier pendu à la prison de Trois-Rivières, donc que l'on appelle aujourd'hui la vieille prison de Trois-Rivières et qui est devenue un musée. Vous pouvez visiter, il n'y a pas de problème. Parce que la prison venait d'être construite, là, la construction de mémoire, elle avait commencé en 1822. Donc en 1825, il aurait été le premier criminel exécuté, le premier de sept officiellement, à avoir été exécuté dans l'enceinte de la prison de Trois-Rivières. Petite parenthèse, je dis bien dans l'enceinte de la prison de Trois-Rivières parce qu'on ne sait pas exactement, c'est pas précisé dans les journaux à l'époque, est-ce qu'on construisait, ce sera le cas plus tard là, pour d'autres criminels, on construisait la potence dans la cour de la prison pour les pendre, mais à l'époque de Noël François, on ne le sait pas. Donc, est-ce qu'il était pendu directement à un mur de la prison? On n'a pas de précision à cet effet-là. Donc, pour le résumé de Noël François, on remonte. Le crime se serait produit en plein bois, dans la région, sur la rive sud de Trois-Rivières, donc pas dans la ville de Trois-Rivières, mais dans la région de Saint-Pierre-les-Bequets. Donc, si vous en allez, si vous traversez le pont La Violette aujourd'hui, vous devez traverser la ville de Gentilly pour vous rendre un petit peu plus loin à Saint-Pierre-les-Bequets. Donc, c'est dans les bois de cette région-là que le crime aurait été commis, le 18 mars 1825. Et la victime était Antoine Dubuc. Malheureusement, malgré le fait qu'on a accès au dossier judiciaire, le motif de ce crime-là est vraiment vague, même que c'est difficile de présenter même une hypothèse de ce côté-là. Donc, on ne sait pas pourquoi vraiment il a tué M. Dubuc. Évidemment, il se disait innocent. On va comprendre. On va lui laisser un petit bénéfice du doute, du moins avant la fin de notre balado. Mais selon le dossier judiciaire, ce qui est intéressant, ça, c'est les termes qu'on utilisait à l'époque. Donc, il a agi, là, je cite en guillemets, à l'instigation du démon le 18e jour de mars. Donc, la motivation, c'est le démon. Voilà. Voilà ce qui en était en 1825 avec les croyances et tout ça. Donc, probablement qu'on en déduisait que si quelqu'un était aussi méchant, ben, c'était à cause du fameux démon, le diable. Alors, François, ce qu'on sait par contre, on a certains détails à cause du dossier judiciaire. Pas à cause, mais grâce. Je me mêle tout le temps. Noël François aurait frappé sa victime avec une hachette sur le côté de la tête, lui infligeant une blessure qui a été décrite comme ayant 4 pouces, donc 10 cm environ, de longueur, par 3 pouces, donc 7,6 cm de profondeur. C'est ça. Dubuc, ce qu'on dit, serait mort sur le coup. Donc ensuite, ce qui a survécu du dossier judiciaire, on va le parcourir, je vais le parcourir avec vous, vous allez voir à quoi ça ressemble. Évidemment, il n'y aura pas de photo de scène de crime, là, on est en 1825, là, la photographie se développe à peine, mais c'est vraiment pas clair, on a même une déposition, certaines affirmations de Noël François, mais c'est vraiment pas clair. Entre autres, je vais vous mêler bien comme il faut, là. Noël François a affirmé s'être rendu chez un dénommé Chartier pour y rejoindre un Indien à Benaki du nom d'Alexander. Ça ne nous dit pas grand-chose. Tous deux auraient ensuite chassé durant quelques jours, bon, ok, dans le secteur de la rivière Bécancour. Tous deux auraient aussi ensuite chassé, bon, c'est ça, durant plusieurs jours, je me répète. Il aurait rencontré deux hommes dans le village de Saint-Antoine qu'il a décrit comme des Canadiens, dont l'un était un jeune homme d'environ 20 ans. Donc, est-ce qu'on doit penser que ce sont des suspects, ces deux Canadiens-là? Est-ce que Noël François essayait de mettre la faute sur d'autres personnes? C'est pas précisé, malheureusement. Il donne ces informations-là sans précision. C'est assez triste pour nous, dans le fond, qui, après 200 ans, on aurait aimé comprendre.
Et aussi, sans qu'on sache pourquoi, encore une fois, Noël François a également déclaré n'avoir jamais dit au docteur Kennel, et là je cite, ou à personne d'autre qu'il avait eu le compas de M. Reed ou de M. H. Malheureusement, le reste du nom est illisible. Alors, il a affirmé aussi avoir entendu parler d'un autre Indien nommé Jean-Baptiste Régis qui avait une blessure à l'arrière de la jambe. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas précisé, malheureusement. Est-ce qu'il y aurait eu une bagarre et bon qui expliquerait la blessure de ce monsieur, M. Régis? C'est assez nébuleux dans tout ça. Donc, est-ce qu'on doit comprendre, par exemple, qu'on doit déduire que le témoignage de Noël François était décousu, qu'on a pris ça tel quel comme ça? Mais on dirait que quand on veut comprendre, ça ne veut rien dire. Non? Alors, c'est un peu malheureux dans notre curiosité, là, si on veut approfondir et tout ça. Et évidemment, vous allez voir qu'après, quand je vais vous montrer le dossier judiciaire, que c'est pas comme les dossiers judiciaires plus récents, qui sont dactylographiés, par exemple, avec tous les détails des témoignages et tout ça. Donc, ça nous aide pas beaucoup. Mais évidemment, bon, on faisait ce qu'on peut à cette époque-là. On prenait des notes. Ça ressemble plus à une prise de notes qu'à une description fidèle des déclarations ou des témoignages. Donc, Noël François, à cette époque-là aussi, je rappelle qu'il y avait deux termes. Ce qu'on appelle, c'est que la cour se réunissait deux fois par année. Donc, principalement, une fois au printemps et une autre fois à l'automne. Donc, dans le cas de Noël François, il a été jugé à l'automne, donc en septembre 1825. Et il a été reconnu coupable et aussitôt condamné à mort. Et à cette époque-là, ben, il n'y avait pas beaucoup de délai entre le verdict et la sentence. Donc, il a été pendu assez rapidement. Comme je le disais tantôt, on ne sait pas exactement, c'est dans l'enceinte de la prison qu'on déduit, parce que là, la prison existait, était toute neuve, était toute récente, mais on en déduit que c'est dans l'enceinte de la prison qu'il a été pendu, exécuté. Donc, il devient le premier de sept pendus dans toute l'histoire de la vieille prison de Trois-Rivières. Il y en a qui vont me dire que c'est pas beaucoup, parce qu'à Montréal, il y en a eu beaucoup plus. Évidemment, mais dans les régions, c'est quand même beaucoup, parce qu'il y a d'autres prisons au Québec qui n'ont pas eu autant de pendaisons. Heureusement, diront certains. Oui, je les comprends. Et ce qu'on dit, c'est qu'avant de mourir, ça, on parle toujours des faits, là, la légende, là, je la laisse de côté. Avant de mourir, on lui aurait permis de chanter un hymne dans une langue amérindienne qu'on ne précise pas. Donc, on ne sait pas de quelle langue spécifiquement c'était. Puis, bon, c'est ça, comme je disais, il est maintenant considéré comme le premier de sept pendus. Pour ce qui est de son innocence, ben ça, c'est de la spéculation, tant qu'à moi. Parce que faut se fier, dans le doute, faut prendre en considération le verdict qui a été prononcé, parce que la révision, dans ce cas-ci, du procès, si on voudrait avoir une idée très nette ou très détaillée des circonstances de ce crime-là, faudrait avoir un dossier judiciaire beaucoup plus étoffé que ça pour avoir tous les détails, les témoignages et bon tout ça. Parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de témoins, mais on n'a pas les témoignages, en tout cas pas dans le détail. Donc, voilà. Donc, on peut juste spéculer sur son innocence. Mais tant qu'à moi, bon, on prend le verdict officiel et puis on fait avec. C'est donc, faut le considérer comme coupable. Donc, la victime, on ne sait même pas rien en plus à propos de la victime, Antoine Dubuc. Est-ce qu'il avait mérité son sort? On ne le sait pas. Alors maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble le dossier judiciaire. Donc, voici le dossier judiciaire concernant le crime ou le meurtre d'Antoine Dubuc. Donc, par conséquent, le crime commis par Noël François. Ça, c'est ici. J'ai consulté d'ailleurs, je vous rappelle, le dossier judiciaire ABANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Vous allez m'entendre souvent dire BANQ parce que c'est plus court et c'est la bonne façon aussi de prononcer l'acronyme. Donc, j'étais à BANQ en septembre dernier, donc septembre 2021, pour vérifier certains dossiers, dont celui-là.
Donc, on reconnaît le septembre ici, le terme, comme je vous disais, quand la cour se réunissait deux fois par année. Donc, ça, c'était le terme de 1825, la cour de Trois-Rivières, évidemment, ici en haut. Et le nom de The King contre Noël François. Donc, le roi contre Noël François, c'était comme ça que ça se faisait. Les plus vieux ne seront pas surpris de cette explication-là, mais les plus jeunes, peut-être, n'étaient pas au courant que, bon, c'était le roi, donc la couronne, qui poursuivait le criminel à cette époque-là. Et ici, indictment, donc l'accusation était pour meurtre. Murder. Ouh. Donc maintenant ici, c'est au revers du dossier. Donc quand on le déplie, on voit tous ces noms-là que je pense, en tout cas moi j'en déduis que c'est probablement le nom des témoins parce qu'on voit plusieurs Dubuc. On sait que la victime s'appelait Antoine Dubuc. Donc ici on voit François, Joseph ou Isidore, ouais, Isidore Dubuc, dénommé Fortier, La Charité, Jalbert et tout le reste. Donc Véro ici, tout ça. Donc ça, c'est probablement le nom des témoins. Donc on sait qu'il y a eu des témoins, mais en tout cas, on peut en déduire ça. Il faut quand même être prudent dans nos affirmations. Mais malheureusement, on n'a pas les témoignages. C'est ça qui est triste, là, parce que ça nous prive évidemment de beaucoup de détails. Comme on le sait, si vous êtes habitué à mes écrits, par exemple, ben c'est là que l'essentiel des procès, des détails, des circonstances, des crimes se trouve. C'est dans les témoignages, parce que c'est les témoins qui racontent, même s'ils n'ont pas été vus, s'ils n'ont pas vu directement le crime se commettre, mais c'est par les témoignages. Bon, on peut apprendre, par exemple, qui était l'accusé, qui était la victime, c'est quoi qu'ils avaient comme habitude. Tout ça, donc on est tous privés de tout ça, malheureusement. Ça, c'est l'intérieur de l'enveloppe du dossier judiciaire, donc qui est quand même un papier assez rigide. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais bon, c'est quand même écrit dans un style assez spécial. Hein? Aujourd'hui, on est habitué à voir des, des écrits dactylographiés, donc par ordinateur et tout ça. Qui c'est assez clair, mais bon, bref, là, la première partie, c'est surtout des phrases usuelles là, qu'on utilisait à l'époque, là, accusées par le roi, blablabli, blablabla, donc ça veut rien dire, c'est souvent de la répétition, mais après, ça revient, ça résume à ce que je vous ai déjà raconté, donc, qu'Antoine Dubuc, on reconnaît ici d'ailleurs, regardez, là, le nom d'Antoine Dubuc, ici, bon, qu'il a été félonieusement et malicieusement, end of his malice, tué par Noël François. Fait qu'on voit ici le nom de Noël François avec une certaine Hachette. Et voilà, donc c'est le résumé, dans le fond, de ce que je vous ai fait tantôt. J'avais déjà visité ce dossier judiciaire-là il y a des années. Mais ce que j'ai appris, je vais vous le montrer bientôt. En y retournant en septembre dernier, j'ai appris, on apprend toujours des petits détails, surtout quand c'est écrit à la main comme ça, là, des fois on se décourage de tout lire, de tout déchiffrer. Bon, ça ici, c'est peut-être moins important, mais à l'époque, comme je vous disais, la justice se réunissait deux fois par année, donc ça c'est le terme de septembre, on le voit encore ici en haut, September Term de 1825. Donc ça c'est le panel des petits jurés. C'est-à-dire qu'on choisissait des jurés qui entendaient toutes les causes du terme. Donc, si, mettons, on se réunissait en septembre d'une année, bien, toutes les causes qui étaient en attente durant l'année, que ce soit les vols, les meurtres qui étaient accumulés, bien là, on les écoutait. Donc, c'était le même jury qui faisait tous les procès. Évidemment, les procès pour meurtre n'étaient pas si courants que ça. Dans la région de Trois-Rivières, en tout cas, il n'y en a pas eu tant que ça. C'était pas à chaque année puis à chaque terme, par exemple. Donc, voilà. Donc, ici, on a le nom. Il y en a quand même beaucoup, hein, les petits jurés. Il y en a 60. Donc, je vous le laisse un peu, pendant que je parle, je vous le laisse un peu à l'écran. Si des fois, vous avez des ancêtres là-dedans, ce serait quand même intéressant de savoir. Vous ne le savez pas, il y a peut-être un de vos ancêtres qui s'est retrouvé, à un moment donné, juré dans un...
dans une cause importante ou moins importante, puis qui n'en a jamais parlé à sa famille. Ça aussi, c'est très, très, très possible. Si je cite en exemple simplement mon grand-père qui a été commissaire d'école, ce qui est rien comparativement à un jury pour procès criminel, puis il n'en avait jamais parlé à sa famille. Ça a été découvert des années après sa mort dans les archives que mon grand-père, finalement, il avait été commissaire dans les écoles, ce qu'on appelait les écoles de rang à l'époque et tout ça. Donc voilà, ça c'est un document qu'on retrouve à l'occasion dans les dossiers judiciaires et tout ça. Donc on a le nom des jurés ici. Et évidemment, on reconnaît le nom de Noël François ici. Donc Dominus Rex contre Noël François. Accusé de meurtre. Ensuite, ça, c'est des papiers courants qu'on voit, là, qui, bon, il y a toutes les phrases usuelles. Ça, principalement, je passe rapidement, parce que ça ne nous apprend pas grand-chose. On a déjà les principales informations. C'est ici que j'en ai appris un peu plus. C'est la déposition, je pense, en tout cas, ce qui semble. Des fois, il n'y a pas de titre, c'est pas évident. Mais en haut, ici, on reconnaît Noël François. Donc, l'examen volontaire de Noël François, donc c'est sa déclaration. Et on dit ici qu'il était un Indien. Ouh, le gros mot qui n'est plus accepté. Mais bon, quand c'est de l'histoire, le mot Indien, il est là. Regardez, là, on va zoomer, là, il est là, là. Bon, fait que c'est pas péjoratif de dire que c'était un Indien. Bon, on peut dire que c'était un Autochtone, évidemment. Aujourd'hui, c'est ça qu'on dit pour pas froisser personne. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'était un Autochtone originaire de St. John's, au Nouveau-Brunswick. Moi, je le savais pas avant, donc j'ai appris ça en septembre dernier, quand je suis retourné justement pour numériser le dossier judiciaire et pour vous le montrer, parce que je savais que je préparais une balado sur ce sujet-là. Donc, j'essaie toujours de vous en montrer le plus possible. Donc, c'est dans ce document-là qu'il parle là, de ce que je vous ai dit un peu plus tôt concernant ces déclarations un peu décousues. Là, bon, il y avait deux Canadiens quelque part, mais sans s'expliquer pourquoi. Puis, il y avait un autre autochtone du nom de Régis qui avait une blessure à la jambe, mais sans qu'on précise pourquoi non plus. Donc, c'est pas super évident. Bon, ça, c'est rien qu'un zoom ici du nom de Noël François écrit à l'époque. Alors, ça, c'est la fin de sa déposition. Et voilà, ça, c'est encore un résumé de la cause. Et maintenant, on va regarder les extraits de journaux qui ont parlé qui ont couvert le crime de Noël François à l'époque. Bon, ici, on a un article qui concerne notre affaire qui a été publié le 27 septembre dans le Quebec Mercury, en anglais, évidemment. On reconnaît en haut Three Rivers pour Trois-Rivières. La sentence, on parle de la sentence de Noël François, bon, pour meurtre. Donc, on parle même de son exécution ici, là. Donc, l'exécution de Noël François pour meurtre. A eu lieu hier, donc le 26 septembre, c'est ce qu'on en déduit, après un répit de 8 jours ayant été qui lui a été accordé. Il a continué jusqu'à la dernière minute, c'est ça ici qui rejoint un peu la légende. Il a continué jusqu'au dernier moment de déclarer son innocence du crime pour lequel on l'accusait. La justice divine a-t-il admis, donc il a peut-être parler sur la potence avant de mourir, l'a surpassé, donc l'a rendu impuissant dans... Il ne pouvait pas rien faire, finalement, pauvre lui. Pour les crimes qu'il a pris... Là, j'ai de la misère à... Je ne suis pas un bon traducteur instantané, mais il a admis d'autres crimes qu'il avait commis avant. Le meurtre, il a refusé d'admettre son crime du meurtre d'Antoine Dubuc, mais il en a admis d'autres, sauf que, bon, on précise pas lesquels. Donc, ça ressemblait un peu à ça, la couverture médiatique des exécutions à l'époque. On va voir au fil du temps que c'est beaucoup plus, ce sera beaucoup plus détaillé, mais je pense qu'on vient de mettre un peu de faits sur l'affaire de Noël François, donc d'écarter un peu les allégations de la légende et de tout ça.
Donc, c'est sûr que c'est une légende qui est quand même moins connue que la Corriveau, par exemple, mais quand même, il faut s'en tenir aux faits. Et c'est ce que nous permet les archives judiciaires, c'est souvent de rétablir les faits et de revenir les deux pieds sur terre. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.